Salut, aujourd'hui on est sur une vidéo de présentation d'un sac pour un départ en randovoac. Je vais vous montrer à l'intérieur tout ce qu'il faut pour ne pas être pris au dépourvu et surtout avoir le strict nécessaire. C'est ça, hein, d'emmener plus. Souvent on a tendance à emmener plus. Moi je vais vous montrer ce qu'il faut emmener tout simplement. Ni plus ni moins. Après oui, si vous êtes des dingues, vous pouvez en enlever. Mais au moins je vais vous montrer les bases. Donc, dans un premier temps, vous voyez mon sac. Il est propre d'aspect, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui traîne à toute valzingue. Mon sac, il est propre et rangé et je suis en mesure de trouver n'importe quoi, n'importe quand. Je sais où se trouvent les choses. Deuxième chose, le réglage, très important. Vous voyez, j'ai attaché mes sangles. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le poids du sac, il va être basé sur les hanches. Voilà. Là, en fait, ce sont mes hanches qui portent le poids du sac. Vous allez voir. En fait, il part en arrière, mais il est porté pas par les épaules. Les épaules, ça sert à retenir. Il est porté par les hanches. C'est pour ça que la deuxième sangle est aussi importante que la première, parce qu'elle va permettre de faire en sorte que le sac ne parte pas en arrière. Vous voyez ? Ensuite, il faut régler la hauteur. Là, tout est à ma taille. On voit bien que le sac ne fait qu'un avec moi. Si je bouge, le sac me suit. Troisième chose qui va être très importante, ça va être l'équilibre du sac. Donc, quitte à perdre une minute en plus au moment de faire le sac, c'est pas grave, perdez-la cette minute, mais vous allez voir, c'est très important. Parce que si votre sac n'est pas bien équilibré, donc imaginons que je penche comme ça, mon corps automatiquement, il va rectifier le tir. Et je vais marcher droit, tout en sachant que normalement je serai bancale. Donc en rectifiant la chose avec mon corps, le problème c'est que sur de long terme, si vous faites une marche de 10-15 km et puis vous êtes sur un randovoac et que tous les jours il faut faire 10-15 km avec un sac à dos de 15-16 kg, vous allez voir que ça peut engendrer des blessures. Et ça, il faut faire attention. C'est important de bien équilibrer le sac. Sinon vous allez le payer hein, de toute façon. Dans un premier temps, on va s'attarder à l'aspect du sac. Donc vous avez vu sur le dessus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la carte. Comme ça, elle est accessible de suite. Voilà. Et je l'ai même laissée accrocher, comme ça, elle peut pendre. Je ne peux pas la perdre. Et puis en plus, quand je la mets à l'arrache comme ça en marchant, je sais qu'elle est quand même attachée, quoi. Je ne la perds pas. Ensuite, on va passer au côté du sac. On va commencer par là. Alors, déjà là j'ai rien mis. Ah si, un paquet de mouchoirs, ça sert toujours. Ensuite, dans la poche latérale, j'ai mis un sac poubelle. De quoi charger le téléphone. C'est tout. Et une bouteille vide. Alors, pourquoi une bouteille vide? Parce que vous voyez, sur l'autre poche latérale, j'ai mis ma gourde Nalgene avec un mousqueton. Donc, c'est simple. Si vous êtes en randovoac, donc là c'est le but, hein, le sac à dos c'est pour un randovoac, et que vous n'avez pas d'eau accessible rapidement, que vous allez dans un coin où vous savez pas s'il va y avoir encore de l'eau ou s'il y aura un point d'eau à proximité, et bien vous savez que vous avez un litre d'eau avec vous, donc dans la gourde, mais que vous avez la possibilité de remplir, dès que vous en avez l'occasion, un deuxième litre d'eau. Donc vous voyez, c'est pas une bouteille d'un litre et demi, comme je vous ai déjà expliqué sur la vidéo comment se ravitailler en eau potable. C'est une bouteille d'un litre pour les aquatabs. Voilà. Donc là, pour le départ, il n'y a pas besoin d'avoir 2 litres. Hein. Ça sert à rien de porter 1 kg en plus. Donc ce que j'ai fait, je l'ai aplati. Et si vous en avez besoin, vous soufflez dessus, vous la réapprovisionnez, vous la mettez là. Et là, l'importance du mousqueton, elle va être là, c'est que la gourde que vous avez, donc le deuxième litre, vous allez pouvoir
le mettre sur le devant du sac. Voilà. Comme ça, c'est nickel. Il reste une dernière petite poche latérale qui va se trouver au niveau des hanches. Voilà, c'est celle qui se trouve ici. Donc, à l'intérieur, j'ai encore des mouchoirs, parce que ça, je crois que c'est la chose qu'on sert le plus, en fait. La boussole, si j'en ai besoin pour compléter de la carte. Et du cordage, on ne sait jamais, ça c'est un truc à toujours avoir. Voilà. Ensuite, on va passer à l'intérieur du sac. Avant de vous dire ce qu'il y a à l'intérieur du sac, je voulais simplement rappeler une chose simple en fait. C'est qu'au moment de faire le sac, bien mettre les choses dont vous vous servez en dernier au fond du sac. Ça peut paraître logique, mais bon, en premier, on va mettre principalement les vêtements pour se réchauffer, la nourriture. Et plus on descend, plus on met les choses qu'on sert en fin de journée. On va dire que ici c'est la nuit. Donc on va commencer par la pochette du dessus. Ce que j'ai, c'est un sursac. Au cas où il pleuve, j'ai toujours de quoi protéger mes affaires. Voilà. Un petit conseil, souvent ceux qui donnent avec les sacs à dos, c'est pile pour le sac à dos, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit à avoir un petit tapis de sol ou quoi. Donc moi, ce que je fais en général, j'en rachète un avec 10 litres en plus supplémentaires de capacité. Comme ça, ça me permet vraiment, si j'ai envie de mettre mon tapis de sol, thermarest ou quoi, ça me permet de le couvrir. Sur la pochette du dessus, à l'intérieur, tu vas avoir les choses dont on a besoin tout de suite. Quand la nuit tombe, j'ai besoin de ma petzel tout de suite. J'ai également une deuxième lampe, la Olight. Alors celle-là, incassable, elle résiste à l'eau, vous pouvez l'acheter, vous pouvez même rouler dessus en voiture. Celle-là, c'est la M22 Warrior, vraiment je la recommande, c'est une dinguerie. Donc j'en prends deux, parce que celle-là, on va dire, c'est l'indestructible. Celle-ci, c'est bien quand on marche, comme ça, ça permet d'avoir les mains libres. Et puis voilà, moi j'en prends toujours deux. J'ai également un tour de cou, voilà, un bonnet et des gants. Voilà ce que j'ai dans la pochette qui est là. Dessus du sac, comme je vous disais, de quoi se couvrir. Donc là, c'est une polaire, sachant que quand on est en rendez-vous, souvent, donc j'ai un pull, j'ai un caouet que je mets par-dessus, et s'il fait vraiment froid, en dessous du caouet, je peux mettre la polaire. Ensuite, j'ai le kit popote. Alors vous allez voir, je mets tout dans les sacs plastiques. Ça permet deux choses. Ça permet de retrouver les choses et de les compartimenter sans que ce soit trop lourd avec des pochettes en tissu ou quoi. Et la deuxième chose, c'est également s'il pleut, ça me permet que ce soit vraiment imperméable. Parce que je peux vous dire que quand on se prend une bonne drache, le couvre-sac, ça fait pas tout. Donc c'est toujours bien de mettre ça dans des sacs plastiques. C'est vraiment mon petit conseil. Donc à l'intérieur de ce petit popote, j'ai mes gamelles, donc j'ai ma tasse en acier inoxydable, j'y tiens. Le parvent Tatonka, donc ça, je vous montrerai après. De toute façon, vous l'avez déjà vu dans les vidéos, c'est ce qui sert à couvrir le réchauffe. Très pratique quand il y a du vent. Alors là, très bien ce petit parvent. Là, hop. Les couverts, donc que j'ai simplement attaché à l'aide d'un élastique.
Donc j'ai déjà un couteau qui fait couteau, cuillère, il fait également fourchette, mais je trouve qu'il est un peu lourd et au final la cuillère en bois wood spirit que j'ai fait est plus légère qu'une cuillère en inox. Ici ça va être une fourchette qu'on trouve dans les boîtes de Sodebo là vous savez. Et puis là bah, l'opinel basique à l'ancienne. Un bon petit trio. Et là, ça c'est mon favori, mon inséparable, réchaud S-bit. Alors je sais que la plupart des gens sont pour les réchauds à gaz, pardon, mais moi vous m'enlèverez pas mon réchaud S-bit. Ça c'est un truc que j'adore ce réchaud. En plus vous voyez, il est compact et tout. Alors il y en a qui ont des biolithes, des trucs, ça chauffe super vite et tout. Moi, je suis désolée, je reste dans le léger, je reste dans le compact. Et avec ça, vous faites tout. Hein. Alors, ça peut paraître un petit peu dinette, étant donné la taille, hein, on dirait pas. Mais là-dedans, en fait, ça suffit amplement pour une personne. Ça sert à rien d'avoir des grandes gamelles ou quoi. Et là-dedans, je fais tout. Donc ça, c'est la casserole, on va dire. À l'intérieur, je mets toujours un morceau de bois gras. Mon fire steel, comme ça j'ai de quoi allumer un feu. Ça, je le mets toujours à l'intérieur de ma pochette, c'est clair. Et puis donc la base, le réchaud en lui-même en fait, qui est vraiment très léger, quoi. Ça évite de se trimballer du gaz qui fuit, ça évite plein de choses. Moi j'ai mon petit réchaud à alcool solide. Voilà. Et voilà. Ça, c'était pour ce qui est du kit popote. Toujours dans la nourriture, ça, c'est la pochette pour une journée. Alors la nourriture, c'est spécial, c'est un point que tout le monde aime aborder. Donc, je vais faire une petite aparté spéciale. Et voilà, alors en ce qui concerne l'alimentation, ce que je fais, c'est que pour un sac, je mets l'équivalent d'une journée entière de nourriture. Chaque sac est constitué de la même manière. Ce qui va changer, bien sûr, après, c'est les repas. Pour les sacs, je les ai pris au rayon voile de chez Decathlon, tout simplement parce que ça me permet d'avoir un contenant qui sera étanche. Comme ça, je peux me prendre une bonne drache. Il n'y aura pas de souci. Je sais que la nourriture, elle sera à l'abri. Et ce qui est bien aussi, c'est que les sacs, ils sont fins et ils sont relativement légers. Donc, ce qui facilite les choses pour le transport. Je vais vous montrer maintenant ce que je mets à l'intérieur. Et voilà tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur d'un sac. Donc vous voyez que j'ai mis des sacs zip un peu de partout. Donc c'est pour plusieurs raisons. Déjà d'une, ça évite que ce soit le gros bordel dans le sac. Et en plus, ça facilite les choses pour pouvoir retrouver, par exemple si je veux un snacking, je retrouve facilement. Donc on va commencer par le premier. À l'intérieur, j'ai mis tout le nécessaire à petit-déj et puis toutes les boissons lyophilisées. Et aussi des aquatables pour l'eau. Donc je mets une plaquette de 10 aquatables parce qu'au final ça part vite dans la journée. Bon, je dis pas que je bois 10 litres, mais il suffit que j'ai deux pastilles qui prennent l'humidité, donc ça en fait deux en moins. Après, entre l'eau pour le café, l'eau pour les repas le midi et le soir, plus l'eau quand on marche ou quoi, en fait ça part super vite. Donc il faut au moins ça. De toute façon, pour le poids que ça fait, ça c'est pas bien lourd. Après le café, bon, il y en a beaucoup parce que j'en consomme beaucoup. Voilà pour le matin, pour 4 heures, un petit thé. J'ai pris deux soupes par jour parce qu'en fait, le soir, quand il fait super froid, pendant qu'on mange, on pense pas au froid. Et puis en plus, on boit un truc chaud. Donc c'est pas mal. Et puis ça, bah, c'est pour le petit-déj. Alors pour le petit-déj, pareil, évitez de prendre des pains au lait. Parce que quand ils gèlent, et bah, le matin, les petits pains au lait, bah, ils cassent les dents parce qu'ils sont congelés. Donc pareil, prenez pas du pain mie parce que ça s'émiette. Essayez de prendre un truc qui tienne au corps et puis surtout qui tienne aux conditions météo. Donc voilà pour le sachet du petit-déj. Ensuite, un deuxième sachet zip avec ça, c'est de l'alcool solide. Après moi j'ai pas de réchaud à gaz parce que j'aime pas tout simplement, j'aime pas le gaz, donc je préfère utiliser ça. Ensuite il y a un sachet snacking, donc ça peut paraître beaucoup mais ça part vite. Donc moi en général je prends deux barres pour la pause du matin et puis bah, deux barres l'après-midi et un petit chocolat pour le soir. Voilà. Et après on a les repas.
Voilà, un pour midi, un pour le soir. Un petit paquet de mouchoirs, toujours bien utile. Donc ça sert de serviette de table, ça sert pour aller au pipi-rond, enfin voilà, je vais pas vous faire de dessin. Et puis un sac poubelle, alors voilà, j'aurais pu prendre un sac poubelle, mais ce qui est mieux avec un sac plastique tout court, c'est qu'avec les anses après, on peut les attacher à l'extérieur du sac, donc comme ça on peut l'attacher au sac et puis bah, on s'en occupe pas et il traîne pas à l'intérieur du sac à dos. Donc, comme ça, ça cradosse pas l'intérieur du sac, donc c'est nickel. On va maintenant passer au poids, on va voir combien ça pèse pour une journée entière de nourriture. 930 grammes, donc c'est même pas un kilo. Donc c'est plutôt un bon compromis. Ensuite, la trousse de secours, chose impérative. Je vous avais dit que c'est toujours bien d'en avoir une, mais que quand vous partez sur de long terme, prenez-en une un peu plus conséquente. Donc là, je ne vais pas vous la détailler aujourd'hui, sinon la vidéo elle va vraiment être trop longue. Peut-être que je le ferai un jour dans une vidéo spécifique. Et pour l'instant, bah, juste vous la montre, voilà, un peu plus grosse que celle pour les bivouacs. Ici, on a le kit d'hygiène que j'ai à l'intérieur. Je me suis fait des petites mignonnettes, donc deux gels douche et puis du shampoing. Alors, bon, il y en a qui peuvent dire que je fais peut-être ma princesse à utiliser du shampoing alors que le savon, ça peut le faire également pour les cheveux. Mais je peux vous dire que vu la dose de nœuds que j'ai, si j'utilise ça, c'est même pas possible. Déjà, sans après-shampoing, c'est galère. Alors, au moins un minimum du shampoing. Puis, de toute façon, là, c'est moi qui le porte. Donc, après, voilà. Mais sinon, si vous pouvez très bien utiliser que du gel douche pour les cheveux et le corps. Mais bon, moi, il faut du shampoing. Ensuite, une serviette. Donc, vous voyez, c'est vraiment une micro-serviette. Hein. Juste histoire de ne pas finir congelé. Et puis, de ne pas s'essuyer sur un vieux t-shirt dégoûtant. Voilà. Un paquet de lingettes. Alors, ce que je fais, moi, c'est que j'ai toujours deux paquets de lingettes à la maison. Quand il y en a un qui est neuf, en fait, je l'utilise pour les bivouacs bah, d'une nuit. Comme ça, le temps qui se vide à moitié, celui qui est à moitié vide, je me le garde pour quand je pars en randonnée. Comme ça, ça évite de porter un paquet entier qui est carrément plus gros. Voilà. Une brosse, bon bah ça c'est normal. Il y a un petit miroir aussi pour quand on a besoin d'enlever les tiques ou quoi, ou aussi pour voir si on a rien entre les dents. En parlant de la dentition, du dentifrice, une brosse à dents. Donc ce que j'ai fait, toujours pour un gain de poids, c'est que j'ai coupé le manche de la brosse à dents. Là il fait à peu près la même taille que la mignonnette de dentifrice. Et puis ça marche pareil. Et j'ai également des protections hygiéniques parce que je suis une femme et parce qu'on ne sait jamais. Il y a des fois quand on est vraiment trop fatigué, ça peut déclencher des règles ou des petites pertes ou quoi. Enfin, je vous passe les détails. En tout cas, la très grande fatigue, moi je sais que parfois, ben, ouais, ça ne pardonne pas. Et puis même au cas où, hein, ça vaut mieux en avoir. Un petit sac poubelle du coup. Voilà. Ici c'est quoi? Ici c'est les sous-vêtements. Donc je ne vais pas vous montrer les sous-vêtements, juste ce que je vous conseille c'est de blinder en chaussettes et puis sous-vêtements aussi en pareil. Ça. Et aussi, donc dans le sac, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit sac, c'est un petit sac à légumes, hein. Comme ça me permet de ne pas mélanger le propre et le sale. Ensuite, on a le couvrant, donc la tarpe. La tarpe, je reviens dessus, mais en fait, à chaque extrémité, j'ai laissé un cordage. Voilà. Important de préciser. Ici, on a ce qui est affaire de rechange. J'entends par affaire de rechange simplement un pull et des t-shirts. Un pull au cas où on se prenne une bonne drache et que voilà, il y a besoin de se réchauffer. Vraiment, ça c'est important, le haut du corps et tout. Et puis des t-shirts, pardon, pour quand on a fini la marche le soir.
de remettre un t-shirt sec pour pas attraper froid justement. Et puis donc j'ai également des affaires de nuit. Parce que bah, je sais que souvent les mecs ils aiment bien rester en caleçon ou quoi et que c'est recommandé de dormir en sous-vêtements. Mais franchement, moi j'ai trop froid la nuit, je suis archi frileuse donc j'ai pris un petit leggings et puis un petit haut exprès pour la nuit et voilà. Puis bon bah après comme je vous ai dit, des t-shirts en plus et un pull. Voilà. Ah oui, et une paire de chaussettes qui va me servir exprès pour la nuit. Celle-ci, ça sera mes chaussettes que pour la nuit. Ensuite, il y a le matelas Air de Decathlon, donc le Fort Class Air, 550 grammes. Il fait vraiment bien ça. Et puis, l'énorme, le gigantesque, le lourd, l'éprouvant sac de couchage Decathlon. Alors, il tient vraiment chaud dans les températures qui sont inscrites. C'est-à-dire que sac de couchage, température de confort 0 degré. Voilà. Il m'a pas déçu, mais par contre, la seule chose, c'est le poids et puis l'encombrement. Il fait vraiment un quart de mon sac, c'est juste énorme, quoi. Donc là, franchement, c'est le point sensible. C'est vraiment le sac de couchage, je pense qu'il va falloir que j'investisse dedans. Alors ensuite, dans la pochette du fond du sac, ce qu'on va retrouver sont les papiers. Enfin les papiers, plutôt les photocopies des papiers d'identité, de mutuelle, etc. Pourquoi les photocopies? Parce que c'est tellement la galère à refaire qu'il est hors de question que je perde des originales et je vous conseille de faire de même. Une deuxième chose, vous pouvez également les scanner et vous les envoyer par mail. Comme ça, vous les avez dans le téléphone. Après, si le téléphone casse, vous savez que vous les avez toujours sur papier. Donc, à l'intérieur du sac zip, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Il y a la photocopie de la mutuelle. La photocopie de ma carte d'identité. La photocopie de ma carte de donneur d'organes, voilà, sauf les yeux. Un numéro de téléphone d'une personne à joindre en cas d'urgence. Et également, alors ça c'est quoi déjà? Une attestation de droit à l'assurance maladie. Voilà, assurez-vous, donc ça c'est tout ce qu'il faut à faire. Ça dure un an, donc assurez-vous qu'elle soit toujours valable au moment de votre départ. Ça y est, l'intérieur du sac est vide. Je vais maintenant vous donner quelques petits conseils pour ne rien oublier. La petite astuce pour ne rien oublier consiste à suivre la règle des 5 C. On a donc ici 5 éléments indispensables pour qu'un sac à dos soit fait de manière fiable pour partir sur le terrain. Avec ça, vous verrez, vous pourrez toujours vous en sortir. Ces 5 éléments sont les suivants. On a les couvrants, les contenants, les cordages, les coupants et la combustion. En ce qui concerne les couvrants, là ici j'ai choisi de vous montrer un tarp. J'aurais très bien pu mettre une polaire ou un duvet, sachant que ce sont aussi des éléments couvrants. Donc ce qui est important de garder à l'esprit quand vous faites votre sac à dos, c'est d'avoir vraiment cette base de 5 éléments. Et après, en partant de ces 5 éléments, vous pouvez approfondir chacun d'eux, de manière à ce que votre sac soit un peu plus complet. Deuxième C, les contenants. Dans les contenants, on retrouve les gamelles, la gourde, le sac à dos. Plein de choses qui vous servent à stocker des éléments à l'intérieur. Troisième C, les cordages. N'hésitez pas à mettre la dose dans votre sac, ça c'est toujours bon à prendre. Les cordages, c'est ce qui va vous permettre d'assembler plusieurs éléments ensemble de manière à se fabriquer un abri bien solide. Quatrième C, les coupants. Là j'ai choisi un couteau, mais c'est pareil, on peut choisir de prendre une scie, une hache. Donc tout ce qui va vous permettre de couper du bois de manière à se faire un feu, de se défendre ou simplement de préparer la nourriture. Cinquième élément, et pas des moindres, la combustion. Alors comme on dit toujours en survie,
Le feu, c'est la vie. Alors, effectivement, le feu, ça va nous permettre de faire bouillir de l'eau pour pouvoir la rendre potable. Ça va également nous permettre de nous réchauffer, mais aussi de nous éclairer quand il fera nuit, et également de nous occuper, car le feu, c'est un peu notre télé des bois. Pour permettre une combustion, on va retrouver les hippos, les briquets à silex, les allumettes, le fire steel et plein d'autres choses encore. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile. En attendant, vous avez tous les éléments en votre possession pour faire un bon sac de randonnée digne de ce nom. Donc vraiment, n'oubliez pas, la règle des 5 C, avec ça, c'est vraiment imparable. Vous n'oublierez rien du tout. Donc profitez bien, plein de bonnes sorties dans la verte et je vous dis à toutes pour un prochain. As a matter of fact, we're taking it back, we're keeping it black. Smack up and grab the catch, and don't look down, the devil.